Ce jour 2 avril 2020, la situation épidémiologique du nouveau coronavirus COVID-19 au Congo est la suivante. Au total, 820 personnes ont appelé les services de santé pour des requêtes en lien avec le COVID-19. En tenant compte de la définition de cas de COVID-19, à ce jour, 351 personnes ont été testées au COVID-19 sur le territoire national. Tous les tests ont été réalisés au laboratoire national de santé publique. Sur un total de 79 prélèvements qui étaient en cours, 19 tests se sont révélés positifs. À ce jour, 41 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés au Congo, dont 28 à Brazzaville et 13 à Pointe-Noire. Le nombre de personnes sans antécédent de voyage dans les pays à risque qui ont contracté le COVID-19 s'élève aujourd'hui à 11 personnes, dont 8 à Pointe-Noire et 3 à Brazzaville. Le listage et le suivi des contacts des nouveaux cas confirmés est en cours par les équipes de surveillance épidémiologique. Actuellement, 274 personnes qui sont des sujets contacts sont en cours de suivi. À ce jour, nous avons enregistré 2 personnes sorties guéries et 3 décès. Actuellement, le pays dispose de 7 sites officiels de confinement des personnes en provenant des pays à risque de transmission de COVID-19 avec un total de 268 résidents. Telle est la situation épidémiologique de COVID-19.